problème pirade pour chaque grand monde qui vit dans la capitale pays. Après que chef gang Jimmy Cherissier alias Barbecue qui se porte-parole vive ensemble, te fin assassiné et puis mettait du feu sous trois policiers Utagio, population dans Solino, Delma et plusieurs autres zones te foulé béton côté que yo t'ap cherché chef gang Barbecue puis mal passé chien fou pour être capable bali bois calé. Et bien chef gang Barbecue lui-même sous bopal avant que population arrive sous li pour ta bal bois calé ya, li fait un gros pas en avance côté que a hier soir qui était mardi 11 juillet 2024 lan, li passé dans Solino, li ravage, li fait un massacre côté que ti moun kou grand moun tombé en babal. Donc j'en ai regardé sur écran, ça c'est tout moun qui tombé en babal chef gang Barbecue hier soir. Ti moun pa y pa ni gade. Gade ti moun petit comme ça qui nan 11 10 ans yo comme ça. Bon qui ça ti moun ça fait qui fait li mériter la mort kouy ça. Gade yon lot jen ti moun anko. Gade yon série de bel jen garçon, potori garçon ki kapab util peyi yon. Gade koman chef gang Barbecue li même li retire la vie yo pou degriyen. Talè ko sa, mwen pral fè nou gade ensemble avec mwen et puis tande koman chef gang Barbecue li même li debake la ka yon policier kote ke la bay policier sa pression. Et fòm souligne pou nou, jodi ki mercredi 12 juin 2024 lan, et bien malgré sa Barbecue fè yon, au contraire, c'est soulever colère population de Solumoa côté que yo refoulé béton encore, yo dit fuck yo joindre chef gang Barbecue parce que Barbecue lui-même li rivé trop loin, là c'est bois calé pour yo bal pas gè prison pour Barbecue. Et mais rete là, t'as le ko ça m'a vin avec plus détail pour nous. Finalement, après un pile tiré pied, un pile crasé brisé, un pile volé pompé goumé, jeudi mercredi 12 juin 2024 là, Docteur Gary Conning installé dans la ville d'accueil Delma 60 comme premier ministre dans le pays d'Haïti. Pour plus de détails, tout à l'heure comme ça, moi pour le faire entendre ensemble avec moi discours premier ministre Gary Conning bay durant installation là et tout de suite après, m'a fait nous entendre président Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil là comment qu'il a lancé des messages piment bouc bay ti monsieur vive ensemble. Jean ça t'a annoncé ya, chose dit, chose faite. Jeudi mercredi 12 juin 2024 là, gagné trois bateaux de guerre russes avec yon sous-marin nucléaire qui débarqué dans le pays Cuba. Selon information yo, visite ça a duré 5 jours seulement et il pas gagné rien pour ensemble avec pays États-Unis ou du moins ensemble avec guerre, mais c'est plutôt dans relation zamitaï. Et mais restez là, plus détails à venir tout à l'heure comme ça. Bon finalement, moi-même pas connu qui ken nèg aksam yo gagné. Nèg yo kite stade méchant derrière. Yo traversé nan stade cannibale. Nèg yo prend le bon plaisir avec fierté pour y couper viande moun, assaisonner viande moun pour yo déguster là. Je que nous avons regardé sur écran nous là, ça c'est chef gang Izo qui gen yon paquet morceau viande devant et bien il fait connaître cadavre moun la manger comme ça. Bon moi-même pas capable faire la différence entre cadavre entre viande moun avec viande bœuf. Nous même qui expert, si gon moun qui expert qui capable faire la différence, n'a écrit dans commentaire là parce que nous connaît parole body, pas jamais la vérité. Capable tout ces foule là il a fait son façon la fait pour froisser population, on ne sait jamais. Et bien sur rive là, c'est parce que ou remet travail ça que princesse Daline même li a fait. M'a continuer inviter abonner ensemble avec channel là, like, partager, voyez ba yo famille, zamion, ménage vous. Comme ça m'a va jeune plus encouragement pour m'al chercher information pour me capable toujours informer nous de tout ça qui a passé et m'a dit un grand merci avec ou même qui gétan abonné ensemble avec Chanel. N'a quitté dossier pays d'Haïti, n'a font petit coup de pied légèrement dans international là. Secteur évangélique là prend un gros coup. Chrétien yo prend un gros chapelette. Pasteur Marcelo Tinazi li endeuillé. Nous connaît pasteur Marcelo. C'est un pasteur congolais qui très connu dans le monde là. Elle c'est un nan moun qui toujours a prophétisé sur pays d'Haïti. Et c'est lui-même qui t'a dit que très bientôt pays d'Haïti va le délivrer. Pays d'Haïti va le faire partie de pays grande puissance yo. Et mi matin, jodi qui mercredi 12 juin 2024 là, pasteur Marcelo lui-même li perdu
bras droit li. Li perdu moso kot li ya. Li perdu compagnon de prière li ya. Li perdu maman petite li yo. Li perdu madame Marielle que li remet en pile qui relé Blanche Odia Kandolo Tunazi. Selon information yo, madame pasteur Marc Solo li mouri après que elle fin fait une crise cardiaque. Malgré yo courir l'hôpital ensemble avec elle, malheureusement li pas survivre, li mouri sous cabane l'hôpital nan pays la Turquie nan yon ville qui relé Istanbul. Faut que moi di nou que pasteur Marcelo lui-même li se bras droit, li se confrère ensemble avec pasteur Grégory Toussaint. Elle c'est un pasteur qui souvent rentré en Haïti côté que li vinn prier pour pays incapable délivrer. Donc nous connons mort son passage obligé lié, tout monde fait pour passer dans passage ça. Mais la seule chose, nous aujourd'hui, nous pas connait qui ça demain à porter. Nous avons nous fait là, mais nous pas connait qui je nous praler. Donc moi fait tirer après ça c'est juste pour me capable dire nous profiter le temps, profiter vivre ce que nous capable parce que mouche sacré les mouche l'homme ou lui-même, li pas épargner personne monde. Que t'es pasteur, que t'es ouga, ou bien t'es sub-citoyen, que t'es président, ou bien t'es roi, c'est obligatoirement pour passer dans chimé ça qui relé chimé la mort. En tous les cas, n'a voyé ces condoléances nous bail pasteur Marcelo. Nous connais moment ça, li dur en pile pour, même connais avec l'aide bon Dieu qui dans ciel là, wap reprend nous très rapide et pour venir continuer prêcher peuple la parole de Dieu. Malgré gens situation paysan hier journée jodiyan, diaspora sans honte, yo diaspora haïtien yo, yo sementé 7 fois 77 fois pour yo continuer voyez âme par pile et par paquet dans pays là. Ayer qui était mardi 11 juin 2024 là, agent douanier yon au cap nan tête collée ak BLTS arrivé saisi environ 10 chargeurs 9 mm ak 150 cartouches. Là dedans yo gagné 100 cartouches calibre 9 mm et puis 50 cartouches calibre 38. Pour moment que moi a parlé là, Police nationale d'Haïti mette en bas code Jean-Guillaume Joseph après que la douane fin découvri que cargaison ça c'est sous nom monsieur qu'il était. Sans perdre du temps, pap kebe nou trop jodi hein. Moi pral faire nous vivre comme un chef gang barbecue lui-même il était débarqué la caillon policier et côté la baille policier à pression et tout de suite après m'a fait nous vivre comme un déroulement installation a été faite. On tu va même pas déplacer. Et Peterson Joseph Peterson Joseph, alias online. Online ou bien Jérémy. Online ou bien Jérémy, ok? Ou continuons à jouer ça. Online ou bien Jérémy. Peterson Joseph, 26e promotion. Ok? Timoun Delma 4, l'offre fait. Ou en passe devant Kaïmon Moulin? M'a fait vidéo Kaïmon Moulin, non? Pendant ma passe à moi, maman, m'a sorti en de Kaïla. M'a fait vidéo Kaïmon Moulin. Parce que maman tellement l'aime, maman ou aime. Maman tellement bon affection. Maman tellement bon love. Mbaye moi même qui va faire vidéo maman, mbaye même qui va faire vidéo kay maman là. Moi même faire vidéo business maman madame moi. OK? Min faire photo business maman madame moi. Ça business maman madame policier Peterson Joseph alias online ou bien Jérémy. Et moi mon star 2000 market yo. Bah ou même avec Lionel Dumé alias Force. Gon l'autre policier encore, li pas policier encore, ancien policier. Créle Angelo qui était Delma 30. Angelo Peterson Joseph online, Lionel Dumé force. Mounsa 2000 yo ba nou un petit job. OK? Nous propose d'a protéger ba et Delma. Moun Delma calé genou dande. Moun Delma calé genou. Nda habité Delma 40B, nda habité Delma 75. Aïti Delma est là kay mwen. Et l'aime fait graduer dans la police. L'aime fait graduer dans la police en juin en mai 2005, m commencé travail en juin 2005. Et dans le commissariat Delma, m'dap travail, ok? Première affectation dans la police, c'est le commissariat Delma, ok? Meni, meti business là, meti corridor, côté maman, madame, ou gen business, ok? Peterson François, Jérémy, online. Yo bon petit job dans Stade 1000 là, ou campé dans Delma 30 là, avec Angelo, un ancien policier, qui révoqué pour voler, ok? Pour mauvaise affaire, ou mette tête avec Lionel Dumé Force, des bon moun monte en l'air Delma, nous identifions, nous prenons tout et nous. Fais vidéo ça pour vous, dans des frères. Fais vidéo ça pour vous. Moutons pas même j'avoue. Fais quoi, maman, là?
fait quoi maman et souvle m'a fait vidéo mais grand monde n'a tellement respecté m'ni tellement bon l'amour et puis me poser sous lui m'passer m'vinn faire vidéo kay madame en pitou. OK poser dans des messieurs poser par contre qui problème nous gagne ou on prend moi que folie mon d'elle m'a dit nous ça calé chez nous on équipe policier qui veut se prendre chef zone yo on prend les pralgué élection les leaders après cop pour ba pour cop yo pour passer à diriger zone et puis mais comment y a crasé toute bagaille poser dans des poser pour montrer nous si mon t'a fait violence avec nous famille madame moi gagne fait faire au beauté parce que tout avant moi madame monter notre job il t'a passé là si m'ta fait l'on bail moi t'a fait le vous donné mais c'est calmer nous dans des banin gras. Ouais, pour moi, jusqu'à présent, pour moi, mon Jérémy, qui fait que je vais répéter. Et quand on a la vie de pour mon joueur gras, ou même ma conscience, ou à l'chita, dit, qu'est-ce que c'est, pour qui ça me s'est répété, mon. Je ne j'en dis, après plus passé 200 ans, société nous a gagné net. Moun pas vivre dans la paix. Moun pas qu'à circuler libre. Si moun pas qu'à l'école, machin, pas qu'à vendre produit pour prendre soin de famille. Bandi a marché tout yé, moun lè yo vle, jan yo vle. Ça fait moun pas ka vivre dans pays ya. Seul l'espoir jwenn nou yo, c'est quitter pays ya pour yo pati. Même lè yo konnen l'autre bò pa douce, pays étranger pas paradis, yo di ou y a ka jwenn travail et puis vivre tranquille. Qu'on s'appétite à bien plus de chance pour monter la richesse sociale. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça que je suis là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible vaut au service d'autrui à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sable les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition,
nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences. Donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capable d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays.
au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgentement et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelons des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que les pifes noirs, c'est jour poil l'ouvrir. Pour soleil la vie, nous t'en ébada. M'a dit nous, ça a fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est piti, mais nous pas piti ni. Depuis peuple là qui a des fiertés libres, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous gain à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi nous garantis que moi paré pour me goumer. Pays a tout paré pour me goumer. Pays a tout moi pour me corriger le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout haïtien qui vive à cœur posé dans un pays qui uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble côté coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, quand la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement.
Il suffit à notre peuple d'être habilité par, par les valeurs qui doit, être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, haïtiens tout partout sur la terre, moi je voulais couper bien bas pour vous remercier pour la confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, t'es venu faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple. Femme, jeunesse, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous allons faire ça capable pour faire l'union, vivre, pour faire l'espoir, bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toutes raisons qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire l'amour et lui fait croire que pas grand rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'air protégé de l'aéroport international Toussaint Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien, de partenaires amis de la communauté internationale, envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert dans sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration
durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Kony, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc lié aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régi par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer, la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Nous disons, bon Dieu merci, parce que vous voyez PM Gary Kony tourner pour nous. Femme tout bien, PM Gary Kony, il passe une heure de temps, oui. C'est réanimé, c'est comme si c'est grâce avec Papa Bon Dieu qui fait le retourner là. Parce que nous sommes tellement méchants, nous sommes tellement méchants. PM Gary Kony, qui est un dans l'hôtel El Rancho Petroville. Mais si c'est mal fait, c'est dans l'hôtel El Rancho. Il y a trois chambres dans le moment. C'est quoi pour catouiller le PM Gary Kony? Et tout le monde, ça veut dire El Rancho, c'est tout mal fait net en l'air. Tout mal fait que les chambres en l'air. Ils profitent à payer les chambres dans le moment. Une façon pour regarder si vous êtes capable de touiller PM Gary Kony. Et vous me dites, il passe une heure de temps. Oui, ça veut dire pas de gaffe avec PM Gary Kony. C'est grâce avec Papa Bonti. C'est grâce à mon bon grand maître, pour ce grand maître qui a la prière. Donc, nous avons pour voir dans le pays d'Haïti, c'est un bagage qui, j'aime comprendre. Nous avons fait bail mystique. Dans ce sens, nous retourner. Nous avons ensemble des problèmes qui peuvent résoudre. Et nous-mêmes, nous ne pas venir comme ça. Comme nous avons fait, il y a des gens qui disent, oh, mais tu vas retourner de nous. Non, nous faisons appel avec moi. Je fais appel avec moi, je me dis ça déjà. Ça veut dire gouvernement, ça c'est gouvernement lié. C'est gouvernement lié, c'est ça qu'il faut regarder. Non, mais bien. Nous allons aller mettre le gouvernement ça là, sauf que c'est pas. Qu'est-ce que le conseil là? Comment on se toujours dit après l'installation PM qui a reconnu? Eh bien, pas attendre, nous c'est vos changements, c'est tout le monde qui est content. Avec tout le monde qui était malade, qui est tout guéri là, parce que yo PM qui a reconnu là. Parce que comme tout le monde, c'est comme d'adou. Il n'y a pas qu'on commence le travail, c'est un coup de tout bagage qui est possible pour lui. Ça veut dire peuple là ensemble avec PM Gary Kony. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau parti politique et de la démocratie. Nous disons avec tout le monde, restez tête prête, PM Gary Kony, retournez là pour le travail. Nous avons besoin de mettre d'elle, parce que soit les mettre là, pas oublier. Les gens qui parlent de mettre PM Gary Kony, pas de jouer, non. On a gouvernement pour nous en opposition. Gouvernement pour nous, on a obligé de camper en face de PM Gary Kony. Il n'est pas bon pour nous, c'est ça que fait nous. Tout le monde là, je me contente plus pour voir ça. C'est pour voir tout le monde. Après, il y a 9 conseillers présidentiels, pas ça. Eh bien, c'est que nous avons son pouvoir, toute partie politique là-dedans, tout le monde là-dedans, dans ce sens-là, nous avec tout le monde qui a joué nos bagailles. J'ai satisfaction pour un pile militant qui est parti politique. Eh bien, c'est la première fois que nous avons pouvoir comme ça. Eh bien, faire PM Gary Kony confiance et nous mettre pas longtemps là, un pile bagaille pour garder des fruits. Un pile bagaille. On peut continuer à travailler volontairement ou bien on va pas des problèmes? Non, c'est pas volontaire. Moi, ça veut dire comme vous, je fais appel avec moi. C'est pas, tant que vous n'avez pas parlé comme ça, je fais appel avec moi. Ça veut dire officiel. Hein? Officiel? Non, nous avons quelques bagailles. Nous demandons, par exemple, nous demandons, malgré PM Gary Kony qui a dit nous ça, PM Ariel Henry pour retourner. Ça veut dire, ça c'est une condition de demander. Je dis qu'il faut retourner, mais pas pour les mouvements. Il n'y a pas pour venir là. Après, vous faites ma philosophie stable, ça veut dire la communauté. Et nous sommes ça nous-mêmes, c'est ça qui fait tout. Nous commençons le travail, nous commençons à faire travail par moi. Et je suis content de la façon de commencer le travail. Malgré que officiellement, je ne suis pas possible ensemble avec moi, mais je vais commencer le travail. Ça veut dire aussi, par rapport avec nos défenses pour le gouvernement, pour sortir pays à la salle là, et nous disons PM Gary Kony, pour mettre prêt, moi je ne vais pas mettre Jean-Baptiste, ma veille. Et peuple ensemble avec vous, la tonne pour l'élection parce que nous avons fait. Et l'important, c'est le travail peuple là. Et il faut s'en dire à la là. Il faut nous oublier là. Dans le moment où je parle avec vous là,
C'est ça qui fait obligé de supporter PM Gaïkoni pour faire vite pour organiser l'élection. Parce que moi-même, son futur candidat, ça veut dire déjà prendre l'élection. Nous avons fait appel à l'affaire forcée étrangère pour qu'ils rentrent là, pour venir nous. Ça veut dire. Et bien, tout ce travail nous fait, nous avons fait une sécurité qui nous a demandé. Nous avons fait des demandes forcées. Et bien, 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 nous avons fait des demandes forc